Fils, Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Psaume 118, strophe 15. Amen.
22. Viens à mon aide. Psaume 23. Ô Seigneur, la terre et sa plénitude, le monde et tout son peuplement. C'est lui qui l'a fondé sur les mers, lui qui sur les fleuves l'a posé. Qui montera sur la montagne du Seigneur et qui se tiendra dans son lieu saint. À lui la bénédiction du Seigneur, la justice du Dieu son sauveur. C'est la race de ceux qui le cherchent, qui poursuivent ta face, Seigneur. Cantique d'Isaïe, page 273. Ce jour-là, tu diras,
Je te rends grâce, Seigneur, tu m'avais prise en aversion. Ta colère se calme et tu me consoles. Voici le Dieu de mon salut, j'ai confiance. Mais ne crains pas pour moi, car le Seigneur est ma force et mon chant. Je lui dois le salut. Livre de joie, vous puiserez les eaux. Ô source du salut, ce jour-là vous direz, rendez grâce au Seigneur, criez son nom. Annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Rappelez que sublime est son nom. Jouez pour le Seigneur, car il a fait la merveille. Connu de toute la terre, je lui ai crié, joie, habitant de Sion. Car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Du Père François-Xavier Duruel, l'Esprit du Père et du Fils. Jésus, en ce monde, est le mystère du Fils éternel. Le Père l'engendre, mais il revient au Christ de consentir au Père qui l'engendre. Ce qu'il est, et les actes qu'il pose, et les paroles qu'il prononce, lui viennent de son Père en sa paternité. Tout ce que le Père donne à son Fils, il le lui donne en l'engendrant. De son nom biblique, le consentement de Jésus à son Père s'appelle obéissance. Jean surtout présente celle-ci comme la vertu propre au Fils, comme l'expression de sa filialité. Dans l'obéissance, il est et se manifeste comme le Fils. L'obéissance de Jésus est un consentement à la paternité de Dieu, au divin engendrement, jusqu'au jour du consentement illimité, dans l'obéissance jusqu'à la mort, à laquelle correspond l'engendrement de plénitude. C'est pourquoi Dieu l'a exalté souverainement, l'a ressuscité, tout comme il est dit au psaume 2 « Tu es mon Fils, je t'engendre aujourd'hui ». Or, c'est dans l'Esprit que le Père ressuscite Jésus, qu'il l'engendre à la plénitude glorieuse de la filiation. Par sa mort, Jésus provoque donc le déploiement en lui, de la puissance engendrante du Père, qui est l'Esprit. Thank you.
Ô saint amour et charité, Dieu est présent. Ô saint amour et charité, Dieu est présent. Mes bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Lecture de la première lettre de saint Jean. Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu et ils connaissent Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici à quoi se reconnaît l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Il a envoyé son Fils, qui est la victime offerte pour nos péchés. Mes bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour atteint en nous sa perfection. Nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous à ce qu'il nous donne part à son esprit. Et nous qui avons vu, nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous, nous avons reconnu et nous avons cru que l'amour de Dieu est parmi nous. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. En ce jour, frères et sœurs, l'Église célèbre la solennité du Sacré-Cœur de Jésus. Avec l'extrait de cette lettre offerte à notre méditation, c'est l'évangéliste Jean qui nous accompagne. En effet, qui mieux que le disciple bien-aimé pouvait nous introduire à cette fête? Au soir de la scène, il s'était penché sur la poitrine de Jésus, écoutant les battements de son cœur. Il avait alors recueilli ses confidences. Au pied de la croix, de Jésus, il avait reçu Marie comme mère et il lui avait été confié comme fils. À l'heure de la mort de son maître, il était là, tout près de lui. Il a vu l'eau et le sang jaillir de son côté ouvert par la lance d'un soldat. Jean était proche de Jésus. Il est un témoin oculaire précieux, mais, frères et sœurs, il est bien plus que cela. Il a vu son maître trahi, honni et banni. Il a vu son maître bafoué, défiguré et crucifié. Mais, surtout, il a contemplé son maître répondre par l'amour et le pardon. Il en a été subjugué. Du côté du Christ ouvert par la lance, il a contemplé le cœur qui a tant aimé le monde et qui le recrée dans sa passion. Jean a contemplé de quel amour Dieu aime. Il a saisi de quel amour il était personnellement aimé. Il a saisi de quel amour Dieu offre son amour à chaque personne pour la recréer. Aussi, Jean exhorte ses frères, et nous avec, à un grand amour, car il s'agit de répondre à l'amour dont nous sommes personnellement aimés. Il s'agit d'aimer de l'amour même de Dieu.
Si nous sommes rendus capables d'aimer Dieu, c'est parce que l'amour vient de lui et non de notre propre fond. C'est parce qu'il nous a aimés jusqu'à nous offrir son pardon. Il nous a rendus dignes d'amour. Si nous sommes capables d'aimer notre prochain, c'est aussi parce que l'amour vient de Dieu et qu'il aime mon frère, ma sœur, autant qu'il m'aime. Il s'agit de laisser l'amour répondre à l'amour dans un débordement de reconnaissance et de gratitude. Le jour où il nous est donné d'expérimenter, de goûter quelque chose de cet amour de Dieu, c'est une immense grâce qui nous est faite. C'est le don d'une immense liberté qui nous est donnée. C'est le don de son amour qui demeure en nous au creuset de notre vie. Un don, frères et sœurs, qui est dès lors une exigence et une responsabilité. Car ce don requiert des disciples de Jésus le témoignage d'un amour mutuel. Il requiert le témoignage d'une foi commune en Jésus qui vient nous sauver. En nous aimant les uns les autres, en confessant une même foi, nous devenons au cœur de notre monde le signe éloquent de la présence de Dieu que nul ne peut voir. Nous devenons le signe éloquent de l'amour de Dieu à l'œuvre dans le monde. Frères et sœurs, quel mystère grand et admirable! Quel mystère aussi si difficile à vivre, reconnaissons-le. Nous mettons tellement d'énergie à mettre d'obstacles à l'amour de Dieu dans notre vie. En ce jour, en ce vendredi, prenons le temps de demeurer au pied de la croix pour contempler le cœur transpercé du Christ, ce cœur qui a tant aimé le monde. La croix est le lieu, le signe de l'amour de Dieu pour l'humanité. La croix n'est jamais loin de l'amour véritable. Thank you.
Confite mini Domino, coniam bonus. Confite mini Domino, alleluia. Christ, le roi de nos cœurs, notre berger, notre joie, conduis-nous vers le sein de ton Père et notre Père. Confite mini Domino, Christ, prince de la paix, conseiller merveilleux, donne-nous part au royaume que tu as préparé pour nous. Christ, le premier-né d'entre les morts, dans ta miséricorde inépuisable, accueille nos frères défunts. Confite. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire. Sur la terre comme au ciel.
Seigneur notre Père, en vénérant le cœur de ton Fils bien-aimé, nous disons les merveilles de ton amour pour nous. Fais que nous recevions de cette source divine une grâce plus abondante. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Sainte Mère de Dieu.